MARC Foundation conducts their fifth edition of MARC Africa Asia Luminary under the patronage of His Excellency the President of Senegal, Mr. Macky Sall. Dr. Rasha Kellage, CEO of MARC Foundation and chairperson of the conference, welcomed the 10 African First Ladies, 15 Ministers of Health, and more than 1,000 healthcare providers and policymakers from 58 countries to open the sessions with the aim to improve access to quality healthcare solutions in the two continents. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, ma sœur la Première Dame du Sénégal, mes chères sœurs Première Dame d'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de Merck, Madame la Présidente Directrice Générale de la Fondation Merck, distingués invités, prestataires de soins de santé et décideurs politiques, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à mes très chères sœurs Première Dame d'Afrique et à vous tous à la 5e édition de MARC Asia Luminary pour célébrer ensemble le 350e anniversaire de MARC, la plus ancienne société pharmaceutique du monde. Aujourd'hui, nous célébrons également le premier anniversaire de la Fondation Merck, notre partenaire. En 2016 et 2017, j'ai assisté au grand succès de cette conférence en Côte d'Ivoire et en Égypte. Et j'ai participé au lancement de la Fondation Merck avec ma délégation l'année dernière en Égypte, en 2017, au cours duquel nous avions eu l'occasion de renforcer notre partenariat pour un long terme. Cette année, je suis très heureuse de me joindre à mes sœurs Première Dame et à vous tous pour témoigner de l'engagement de la Fondation Merck à porter cette initiative au plus haut niveau et en partenariat avec le gouvernement du Sénégal en organisant la participation, la 5e édition de Merck Asia Luminary avec la participation de nos gouvernements africains et asiatiques, du secteur de la santé et des communautés. La Fondation Merck pour la 5e année rassemble aujourd'hui plus de 500 prestataires de soins de santé, décideurs politiques, universitaires et chercheurs de plus de 57 pays africains et asiatiques à Dakar, la capitale du Sénégal. Mes très chères sœurs, distingués invités, j'ai accepté avec plaisir en 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire d'être l'ambassadrice de la campagne Merck More Than a Mother que j'ai lancée à Bangui en République centrafricaine par le biais de ma fondation pour autonomiser les femmes sans enfants à travers l'accès à l'information, à la santé et à un changement de mentalité afin de briser la stigmatisation autour de l'infertilité en général et des femmes infertiles en particulier. En tant que femme et en tant que première dame de la République centrafricaine, cette campagne me tient à cœur car cette initiative a permis à ces femmes de voir l'espoir poindre à l'horizon. Grande était ma joie lorsque nous avons commencé avec Merck More Than a Mother, l'important projet Empowering Berna, dans lequel nous avons créé de petits commerces pour les femmes sans enfants et nous les avons formées pour gérer ces projets afin qu'elles puissent avoir un revenu et devenir indépendantes. Je tiens à souligner que le plaidoyer que j'ai mené au niveau de mon pays a permis de renforcer les capacités de ces femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat avec le concours du Bureau international du travail et l'Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et de l'emploi, ACFPE.
Vous ne pouvez pas imaginer comment elles ont été transformées et ont trouvé la confiance en soi, la quiétude, et j'en suis très heureuse. Nous avons également entamé la deuxième étape avec elles. Merci à la Fondation Merck de s'associer à nous pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, je voudrais porter à votre connaissance que la Fondation Cri de cœur d'une mère que je dirige travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population pour identifier les candidats appropriés qui bénéficieront de la bourse de formation en oncologie, au diabète et à l'infertilité. La Fondation Cri de cœur d'une mère par ma voix est très fière de travailler étroitement avec nos chers amis, le docteur Racha, PDG de la Fondation Merck, et le professeur Frank Averkamp, président de Merck, qui seront les invités d'honneur de mon époux et moi en novembre prochain. Durant ce séjour, l'occasion nous sera donnée pour le lancement officiel de la Fondation Merck afin de mettre à échelle tous les programmes couronnés de succès pour atteindre les objectifs de développement social de la République centrafricaine et du reste de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je suis très fière de participer à l'ouverture officielle de cette importante conférence avec mes sœurs Premières Dames et de travailler ensemble avec elles pour aider les patients, les communautés et les jeunes médecins à devenir de futurs experts. Je vous remercie.